abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La Fashion Week est de retour à Paris, pour le plus grand bonheur de Classe Égale à HRL Carla Bruni. La chanteuse et top modèle participe activement à cette folle semaine consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2022. Mercredi soir, elle a découvert et porté celle de Balma lors d'un défilé grandiose. 10 ans, ça se fête. Olivier Rousteing a célébré ceux de son intronisation chez Balma mercredi 29 septembre 2021. Date du défilé prêt-à-porter printemps-été 2022 de la Maison Parisienne. L'événement a eu lieu à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Carla Bruni en était un des mannequins stars. En effet, Carla Bruni a défilé pour Balma. L'épouse de l'ancien président français Nicolas Sarkozy a ainsi retrouvé la ferveur des backstage et des podiums. Pour Balma, elle s'est présentée aux spectateurs du show vêtue d'une robe à manches longues baroques, brodée de perles, de strass et de fleurs en crochet. La pièce est à l'origine issue de la collection automne-hiver 2021-2013 de Balma et a revu la lumière du jour pour commémorer l'anniversaire d'Olivier Rousteing à la direction artistique de l'enseigne. Carla Bruni n'était la seule icône présente sur le podium du défilé Balma. Naomi Campbell, Mila Jovovich, Natalia Vodianova et bien d'autres ont paradé aux côtés d'Olivier Rousteing pour le final. Sous une standing ovation, Beyoncé avait même enregistré un message adressé au créateur français, diffusé à la fin du défilé. Après avoir assisté au défilé Saint-Laurent puis au vernissage de l'exposition Thierry Mugler, couturissime au musée des arts décoratifs, Carla Bruni poursuit son marathon mode. Ce même mercredi 29 septembre, elle est apparue dans l'émission Olympiascope, présentée par Bernard Montiel et diffusée sur Olympia TV. La Paris Fashion Week prendra fin ce mardi 5 octobre 2021. Carla Bruni se rendra-t-elle à d'autres événements au programme ? Réponse dans les jours ou heures à venir.